Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 132 ProGras 3D et on va faire une petite initiation à OpenSCAD, un logiciel de programmation et design 3D. Je sais que ça paraît barbare, mais en fait, le principe est très simple et vous allez voir, ça va vous aider énormément. Au lieu de designer des pièces répétitives sur votre logiciel préféré de design 3D, on va utiliser OpenSCAD pour programmer, bien sûr, vos pièces en 3D. C'est parti. OpenSCAD est disponible pour les trois plateformes, PC, Mac et Linux, sur le site web opensCAD.org. Vous y trouverez aussi la documentation ainsi que beaucoup d'exemples. L'interface est simple, à droite vous avez la vue 3D que vous pouvez manipuler et à gauche la zone d'édition qui va vous permettre d'écrire le code. F5 vous permet d'avoir un aperçu et F6 de compiler votre code. Ce logiciel vous offre beaucoup de possibilités mais on va voir ici les trucs de base comme les formes 3D initiales. Un cube avec divers paramètres, tous les côtés égaux ou des côtés différents pour faire un parallélépipède rectangle, des options d'alignement, etc. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, toute la doc est dispo en ligne. Vous pouvez créer aussi une sphère ou encore un cylindre. Il existe plusieurs modificateurs de base comme le déplacement, la rotation et bien d'autres qui peuvent s'appliquer à chacun de vos volumes. Les opérations booléennes vont vous permettre d'ajouter, soustraire ou faire la différence entre deux volumes. Pour cela, il vous suffit de faire les opérations sur les différents volumes avec les fonctions union, différence ou intersection. Pour vous montrer la puissance d'OpenSCAD en manipulant des formes simples, nous allons tenter de créer un bouton de vissage paramétrique. Paramétrique, cela veut dire que les différentes données de diamètre principal, secondaire, la hauteur, le nombre d'encoches et leur diamètre est variable. Il vous suffit de changer les paramètres, lancer la compilation, et le programme vous génère autant de boutons de vissage que besoin. On va donc utiliser les variables et commencer à construire notre volume. Faire les calculs automatiques comme celui de l'angle entre chaque cylindre par rapport au nombre d'encoches, la translation et rotation de chacun de ces cylindres. J'ai accéléré un peu le processus, j'ai un peu galéré sur certains éléments et le tout m'a pris un peu moins de 20 minutes. Mais grâce à la documentation et un tout petit peu d'acharnement, j'en suis venu à bout, et voilà donc mon bouton de vissage paramétrique, que je peux générer avec les dimensions que je veux. Il est aussi possible d'exporter le tout en fichier STL, qui pourra aller directement sur votre imprimante 3D préférée. Bon, c'est pas ultra dur, hein? Ok, c'est pas non plus ultra simple, je suis d'accord. Mais c'est open source, gratuit et relativement accessible. En tout cas, ça peut vous faire gagner un temps précieux et c'est un logiciel super intéressant à connaître. Comme d'habitude, bien sûr, si vous êtes un spécialiste du design sur OpenCAD, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions et vos insultes par email, sur Twitter, à vous abonner à la chaîne et à partager ça avec vos collègues. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des barbutipeurs et nous aider à financer
les épisodes classiques de la Grande Barbie ou les épisodes de Barbitude, en nous laissant quelques euros. Voilà, c'est tout pour cette fois. À dans deux semaines. D'ici là, faites des trucs et que la Barbitude soit avec vous.